Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2. Non. Bien sûr que ça enregistre, putain. Of Might and Magic 2. Non. Ouais, si, c'est bon. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2. On se retrouve toujours dans le même scénario sur la campagne du mal. Alors on reprend donc là où j'en étais resté avec la petite stratégie que j'avais donc annoncée, qui était d'essayer de rouler sur ce héros avec mon héros principal qui commence à devenir assez bon, pour ensuite essayer de balayer effectivement toute cette zone là et essayer avec ce renflouer avec ce héros là la prochaine semaine et de faire barrage pour essayer justement d'empêcher les empêcher de venir et de les acculer chez eux. J'ai encore deux châteaux à prendre, un ici et un là. On va essayer de mener cet objectif à bien. En attendant, avec lui on va rentrer par là. Là je ne peux recruter personne. Par contre par ici on devrait pouvoir recruter un petit peu. Faudrait que j'aille m'occuper d'eux aussi, parce que maintenant je pense qu'il y a moyen de les faire et franchement il y a moyen de se gaver là-bas. Hein, peuvent encore se déplacer, vous êtes vouloir terminer votre tour. Oui. Donc il va reprendre le village. Ok, il débarque, y a pas de problème, je l'attends. Je peux pas aller à mon chez-moi malheureusement, ce qui va pas m'empêcher de recruter en attendant. Hop. Mais bon, il a pas les forces là pour me combattre, je pense que quand même s'il a ses titans, faut peut-être pas pousser quand même. On va pas bouger avec ce héros là, on va se concentrer sur le principal. Voilà, il se casse, forcément. Forcément. Le contraire m'aurait étonné. Encore un. Les vampires, pourquoi je peux pas l'améliorer le manoir, il me faut quoi? Ouais, c'est dommage que je puisse pas avoir des grands vampires, mais bon, c'est pas grave. On va quand même faire ce qu'il faut, voilà. On va partir en chasse, hein. Même si bon, la galère pour le rattraper. Hein. Là j'ai peur qu'il nous tombe dessus. Donc est-ce que je sauvegarde le héros? Ouais, on va peut-être sauvegarder le héros. Tant pis, on va lui laisser reprendre son château. C'est chiant, mais on va pas avoir le choix. Ouais, bah oui. On va le rejouer parce que je vais essayer de fuir. Si je peux. Se rendre, sonner la retraite, se rendre. Ah putain, j'ai pas assez. Alors, voilà. Comme ça, on va assurer le coup. Ici, c'est bon, on va rien prendre de plus, si ce n'est reprendre notre héros. Faut vraiment que je le chope. Hein. Ah bah c'est bien, il vient. Let's go. Parce qu'alors là, par contre... Non, rejouer. On va essayer de lui faire le plus mal possible. Ah oui, il a que ça en sort, lui. Putain.
Oups. On y va. Quand même. Ouais. Au contraire, m'aurait étonné. On va faire autrement. Vas-y, fais-toi plaisir, viens, amuse-toi. Voilà. On a rendez-vous par là. Je pense qu'on va faire un petit truc sympa. Franchement, si on bloque bien les routes, on peut les emmerder. Ça, c'est pas mal. Prends le temps de bien recruter ici, on n'est pas pressé. Voilà. On va les pousser dans le retranchement. Non, non, on rejoue. Alors déjà on a un peu plus de sorts. Petit dragon non, soif de sang. On réfléchit. On va mettre une célérité sur les squelettes, tiens pour une fois. Ouais, bisous. Bisous. Étonnant, n'est-ce pas? Voilà. Là, en attendant, qu'est-ce qu'on a comme héros qui est dans le coin? Ouais, il peut nous emmerder, mais sans plus. On va aller un petit peu à leur rencontre. On va aller jauger tout ça. Logistique, bien évidemment. Comme il reste que des unités merdiques, on va essayer de faire mal à tout le monde. Ouais, c'est pas autant que j'aurais cru, mais bon. C'est plein craqué, parfait. Oui, oui, c'est normal, ils reviennent. Ok. Oui. Voilà.
Et par là d'un côté, qu'est-ce qu'il a lui? Ok, lui va être un peu emmerdant, mais rien d'insurmontable. Et elle, on va la mettre. On va aller prendre des ressources. Allez, hop. Ouais, ouais, reprends-le ton château, y a pas de problème. Ils sont allés recruter des dragons, moi, Xanadu ? Même pas. Ok, ils ont un peu changé les héros. On va faire gaffe quand même, parce qu'il est capable d'aller se jeter sur mon deuxième héros. Ok, tu barres par là-bas, très bien. Il a du déplacement, hein, le con. On va aller s'occuper de lui déjà. L'ennemi a pris la fuite, oui. De toute façon, il ne sait faire que ça, l'ennemi. Alors. Est-ce qu'on peut aveugler quelqu'un d'intéressant? Non, on n'a pas personne d'intéressant à aveugler. Pas de célérité sur eux. Alors, tac, tac, tac. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, on va aller donner quelques troupes à l'autre, parce qu'on va rester avec les chevaliers. Ok, donc donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et puis, ça va être bon. Non, 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 je m'ai trompé de personnage. Voilà. Toi, on va aller par là. La bonne blague. C'est comme ça qu'on gagne. Non, parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. On va revenir au château, lui. Ah, il se présente devant le château quand même. On refait. On essaye de faire au mieux. On peut pas. Eux, on peut. On va les aveugler. Pas de raison. Eux, on va les retarder dans leur jeu aussi. Voilà. Bon, en plus. Ouais. Bien vu, on en a tué qu'un, hein. C'est quand même hyper costaud ces merdes. Et on attaque le château, bien évidemment. Oui, oui, on prend. Donc ça, c'est bon. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à achever les héros. Hein. Donc si tel est le cas... Normalement. Après, il faut peut-être tous les, villages aussi. Hein. Ça, c'est pas impossible qu'il nous faille tous les villages. On va envoyer ce héros-là pour aller faire les villages, sachant qu'il aura pas assez, donc il va aller là d'abord. Voilà. On a subi une défaite amère. Je sais même plus ce qu'on a là. Ok, d'accord. Pas mal d'archers effectivement en face.
Mais on va voir ce qu'on peut quand même arriver à faire. On va les laisser attaquer. Oups. On va essayer, hein. J'aurais dû refaire un petit coup de magie avant. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Pas grave. Ok, il est vénère. Hein. Ouais, on va lui payer le prix. Franchement, c'est pas un problème. Ah, on rejoue. On m'arrête pas sur ça, moi. Je vais lui faire la peau, le maximum en tout cas. Il m'a fait mal quand même hein, sur mes macabées. Ça devrait bien se passer. Honnêtement, je pense que s'il a plus de héros, il a perdu. Parce que dans les villages, on peut pas recruter de héros. Donc, une petite célérité. Hop là! C'est la fin. Alors, si c'est pas la fin, c'est que soit il y a un autre héros, soit faut prendre tous les villages. Hein. Mais honnêtement, là. Ah bah non, mais il reste le château qui est là. Exact. Bon, dans le doute que. On va recruter Cocotte. Mais même, bon, on va même pas s'emmerder à parler, avoir beaucoup d'archers. Voilà, voilà, voilà. Puis avec elle on va commencer à reprendre les villages, mais je pense qu'en fait il suffit que il refait un héros bien évidemment. Bon un héros de merde, on va récupérer le château et le poursuivre. Faut pas aller bien loin. Si, y'a que ça. Après, faut peut-être tuer tous les paysans qui sont sur la map, hein, vu que c'était une révolte de paysans. Ce serait pas impossible. Hein. C'est vrai que les objectifs sont pas toujours très 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 bien indiqués. Info. Capturer tous les châteaux ennemis pour gagner. Ok, alors il reste un château que j'ai pas vu. Putain, il reste un château? Sérieusement? Attendez, c'est avec elle, on a un sort de magie qui permet de tout voir. Château, château. Il n'y en a pas.
Pas de château, ça c'est à moi, ça c'est à moi. C'est vrai qu'il manque le petit bouclier devant quand même pour voir, ça aurait été pratique. Hein. Ah, c'est les héros, c'est vrai, ouais. On les voit pas bien quand même. Un village, ouais, les flèches, c'est. On va pas dézoomer, c'est pire. On va faire autre chose. Voir village. Ouais, mais c'est la même chose en fait. Parce que l'autre c'était un tout voir, donc c'est pas mieux. Voir héros. C'est vrai qu'on pouvait protéger les mines avec des gardiens. Bon, c'est pas grave. Et ben, pour moi, on a tout, non? Bah, je vais aller voir par là au cas où. Après, je vois qu'il y a encore du vert. Alors, s'il y a du vert, ça veut dire qu'il y a encore un château, hein, quelque part. Ah, bah, il y a encore un village là-haut. Je l'avais point vu. Ça doit être celui-là. Voilà. C'est une véritable correction que vous avez infligée aux paysans. Ouais, c'est pas mal. Un travail exemplaire. Nous devons à présent prendre le contrôle des terres qui entourent le château de Roland. Les seigneurs installés dans cette région peuvent être asservis sans trop de difficultés. Néanmoins, mon conseiller me recommande de faire appel au roi des dragons pour écraser l'ennemi plus rapidement. Le problème, c'est que le roi des dragons refusera de nous aider. Que faut-il faire à votre avis? Devons-nous lancer une offensive contre les seigneurs de Roland ou devons-nous placer les dragons sous notre joug? Ah, faudrait avoir les... Faut les dragons. C'est pas... C'est un petit scénario alternatif, c'est ça? Capturer Dragon City. Ah, le nom. Dragon City, quoi. On va repartir sur les mages. On va essayer de débloquer les dragons, nous aussi. Ce serait bien. Alors, j'ai pas joué les barbares encore. C'est vrai que vous auriez peut-être eu envie de voir les barbares. Je sais pas la faction que j'aime le plus. On va rester mage pour le moment. On verra après. J'essaierai de vous montrer au moins une fois les barbares. Ok, votre arrivée fut une surprise pour les gardiens de l'île du dragon. Il ne vous a pas fallu beaucoup de temps pour prendre l'un de leurs châteaux, mais prenez garde aux deux autres gardiens qui se trouvent encore dans la jungle. Oh putain, puis y'a rien dans le château. Y'a rien, y'a que dalle quoi. Ouais, pas mal comme héros de départ, mais... Ouais. Ouais, je prends ça pour avoir vraiment vite des sous. Oh, c'est de la jungle en plus. Je sais pas, je le sens pas à l'endroit. Oh, avec tous les arbres et les machins, je sens que ça va être une galère ici. Niveau 5, ok. Putain, niveau ressources, ça va être la misère. Je le sens bien. Bon, en même temps, il y avait une scierie là, j'aurais pu la prendre. Il y a aussi les ogres ici, ouais. Bon, je vais aller prendre ça, et puis de toute façon, je vais vite. Ok, il y a déjà du héros là. Oh, il a déjà des dragons verts. Mais c'est pas possible, c'est trop tendu. Mais non, mais. Au secours! À l'aide! Mais non, mais c'est. On n'est pas dans la même cour, je peux même pas acheter la crypte, j'ai pas de pierre quoi. Que ce jeu est dur, hein. Bon Dieu que ce jeu est dur. Mais non mais, enfin là le mec, en deux secondes il me balaye, c'est fin de la partie, game over quoi. Eux là il va les terrasser, non mais les dragons verts quoi. Même s'il en a qu'un. C'est impossible. C'est juste impossible, je peux pas lutter quoi. Ouais, alors juste heureusement qu'il est un peu en balade, mais quand même quoi. Yeah.
Ouais, mais il est déjà mille fois trop puissant, quoi. Non, non, on va le refaire. Hein. Mais il y a moyen de rien perdre du tout, en fait, ou quasiment, quoi. Peut-être pas rien perdre, mais... Ouais, c'est pas terrible en fait ce que j'ai fait. Ouais, ça revient au même en fait, hein. Au final. J'en voulais pas du résultat, mais... Sagesse avantage, orientation... Ça veut s'avancer, hein. Même si c'est pas tout de suite qu'on va avoir de la magie, hein, clairement. Ah non, mais franchement... C'est tendu. On va attendre le nouveau jour, hein. Ah, en plus c'est la semaine des hydres, ça aurait été bien. Mais bon. Ils vont pas fuir eux. Y'a pire. On va prendre œil d'aigle, tiens, parce que vu que magie, je suis pas sûr qu'on s'en sorte très bien. Du fer! Alléluia! Quand même la faire elle. Au moins flèche magique. Mieux que rien. Voilà, ça nous permet d'apprendre les sorts. Aussi du coup ah non, ils sont un petit peu moins puissants quand même, mais bon. C'est chaud quand même, hein. Il y a 10 000 héros qui sont gavés déjà, quoi. Oui, bah venez les nains, on va pas dire non pour le moment. Surtout du soufre, on en a besoin pour les dragons. On va prendre l'or. Pour faire la tour verte, il faut le labyrinthe et le marais. Ok, pour faire le marais, il faut un de soufre. Ok, et le labyrinthe, il faut la crypte. La crypte, il faut de la pierre. On va y arriver, on va juste faire ça, voilà, au cas où. Voilà, les momies, est-ce qu'on s'en fout pas un peu aussi? On va aller voir les nains là-bas plutôt. Là, le jaune. Ils sont alliés. Hein. Ouais, ok, c'est en cas de reddition. On s'en fout complètement. Alors, on va déjà faire la crypte. Pour d'après, on va faire le marais. Il y a un peu de monde, mais bon, on va faire ça. On s'est dépassé, ouais. On prend. Points de mana, on prend le marais. Ça coûte cher. Par contre, ça coûte un peu cher les hydres.
J'aurais dû garder un petit feu, j'aurais pas dû les faire. Maintenant faut repartir. Je pense pas que j'ai assez... Oui mais faire le labyrinthe, j'avais oublié, donc il faut 10 pierres précieuses. Super. Il y en a là, des rubis. Et comme d'hab, hein, la mine qui m'intéresse de rubis, elle y est pas quoi sur la carte. Chier, je vois un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'on a là? Donc le moral des défenseurs, ouais, on va faire ça, ouais. On va bien faire quelque chose. Hein. Ok, là tout est fait. Alors, on va aller récupérer tous ces petits mondes. Eux, on va les garder. On va laisser les nains ici. Non, mais c'est putain de pierre précieuse quoi, mais. Enfin, je crois que ça coûte 2005 la pierre. Pardon. 5000. Ouais, ben non, en fait. Donc, je vais voir combien il y en a là. Et après, sinon, faut que j'en trouve ailleurs quoi. Faire pas mal de monde, hein, mais bon. Œil d'aigle ou mysticisme, on va prendre l'œil d'aigle. Il y en a 5. C'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien, mais je sais pas où il y a une mine quoi. J'ai pas un sort voir mine. Alors ça correspond à quoi? W Wood, ok. C'est quoi le nom S c'est soufre. Joaillerie, peut-être J. Je dirais que c'est le J moi. Donc il y en aurait une en bas. Ok, on va aller voir ça. Je pense que c'est un truc comme ça. Ok, on n'est pas encore au prochain jour. Ah parce que là après si j'ai des dragons, bon, c'est pareil, hein, ça va être plus simple pour moi, mais. Ouais, baladez-vous, baladez-vous. Nickel. Ce qui est moins nickel. J'ai perdu ! Putain, j'ai pas vu. Attendez. Hop, 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 hop. J'ai été bien trop vite, moi. Ah oui, mais j'ai plus d'armée, en fait. J'avais tellement pas fait gaffe, mais j'ai plus personne. Ok, bah on va se calmer, les gens. Ouais, mais il y a vraiment des combats où les mecs ils abusent quoi. Ok, autant pour moi, hein, je. Désolé, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai fait gaffe à rien du tout, j'ai fait trop continuer en mode automatisme. Par contre. Une glorieuse victoire, je préfère déjà. Il est pas à côté du château non plus, mais oh punaise, ils arrivent. C'est ingérable, enfin franchement, c'est ingérable quoi. Ils ont trop de héros, mais ils sont trop. Maman, je rentre chez moi.
Non mais en vrai, on peut pas échanger des ressources là parce que c'est combien? 10. Ok, alors. Je vais offrir un rubis contre 10 de mercure. Ok, ça c'est bon. Hop. Je vais pas donner mon soufre. Hein. C'est 20 de soufre. 20 de soufre. Putain, c'est 20 de soufre. On n'est pas arrivé. Hein. Ah, ça, ils me l'ont déjà repris. Hein, c'est fini. Bon, après. Voilà, mais bon. Surtout que là, je vais pas pouvoir faire grand chose, quoi. À l'aide. Franchement, là, oh là 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 là. Ouais, c'est très très compliqué. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là ce premier épisode. Je vais peut-être avancer un petit peu entre les deux épisodes sur ça, au moins jusqu'au dragon vert. Voir mes possibilités et tout, parce que honnêtement, c'est pas simple du tout. Et puis je vous dis en tout cas à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous aura quand même bien plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci encore pour vos derniers commentaires sur le fait que ça vous a plu de découvrir ce jeu, que finalement vous le trouvez sympa, etc. Ça me fait super plaisir. Je suis super content que le jeu vous plaise. C'est une très bonne nouvelle, donc moi je continue. Voilà, en tout cas, donc. C'est avec grand plaisir, mais on peut en discuter. Moi, je peux toujours. N'hésitez pas, hein, si vous voulez discuter du jeu, poser des questions, etc. Moi, j'adore discuter de ce jeu, donc il n'y a pas de problème. Merci à vous et à très vite pour la suite. A plus, les gens.